En fait, c'est super cool de travailler pour la FN. Et cette étude-là, ils sont hyper sympas, ces voisins de palier, en fait. Attends, on va travailler pour la FN? On va vendre des armes? Hein? Attends, si Bérénice apprend ça, moi, elle va me tuer. Mais non, FN, la Fédération du Notariat. T'as qu'à dire à ta copine que la Fédération est presque bio, hein. Non, mais c'est vrai. Maintenant que tout est informatisé, ça fait moins d'arbres qui meurent pour faire du papier. Dis, tout à l'heure, j'ai loupé beaucoup de choses au briefing. Hein? Ouais, alors en fait, il faut expliquer aux gens ce que c'est que la famille nucléaire. Quoi? On va travailler pour le nucléaire? Non, c'est... En fait, si tu veux, on doit expliquer que la famille nucléaire, c'est une famille qui vit avec ou sans enfants, en couple, mais sans être forcément mariée. Par exemple, Bérénice et toi, bah, vous êtes une famille nucléaire. Ça va lui faire plaisir. Elle va irradier. Ouais. Ils sont sympas, hein, les gars de l'agence. Surtout les créas. Lourds, par contre... En tout cas, j'espère qu'ils maîtrisent tout ce qui est online et réseaux sociaux. Parce que sinon, moi, je peux te dire que... Online et réseaux sociaux. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non. Ça va, les gars? À quick, ce midi? Ouais. Bonne idée. Mais rapidement, alors. Hein, j'ai promis d'aider des clients qui vont acheter une maison. On va aller filmer le toit avec le drone de l'étude. Ça t'amuse, ça. Pourquoi on a besoin d'utiliser des machines volantes de mon époque? Une échelle, c'était bon, hein? Moi, après le lunch, j'ai un rendez-vous pour un problème de succession. Les Trapanines, Namur. Ah, oui. Un gamin de 18 ans, il veut mettre la veuve de son père à la porte. Il a une maison dans le centre de Namur et il a obtenu l'autorisation d'en faire un risotto express. Ah, un risotto express, ça me donne faim. Ouais, bah c'est appétissant, mais c'est triste. Ça fait 14 ans qu'elle habite là. Enfin bon, c'est un drôle d'oiseau, ce gamin. Oui, c'est un drôle d'oiseau, ce gamin. Comment je vais faire, moi, pour trouver le pognon pour accoucher à Miami? Déjà que tous les soirs, je dois jouer du pipeau sur son ventre pour bercer le petit. Mais tu sais quoi, t'as qu'à demander à Saïd, il a toujours des bons plans. Je sais pas quoi faire. Ne t'inquiète pas, mon ami. Moi, je vais te trouver quelque chose pour que ta femme elle accouche avec des dauphins. Ce soir, je vais en parler à ma femme. Elle travaille dans une agence de voyage. Oh, ce serait génial. Merci, Saïd. Ne t'inquiète pas, mon ami. Tiens, tu veux un sachet de graines de citrouille pour tes enfants? Moi, j'ai plus faim. Non, merci. Mais si tu veux, j'ai des chips. Ça a quoi? Paprika. Re-salut. Non, mais y a pas de souci, Madame Trapani. Je préfère un rendez-vous annulé avec une solution que l'inverse. Donc, en résumé, vous restez dans la maison, mais elle appartient à votre beau-fils. En une propriété, oui. Oui, je sais que c'est un mot amusant. Oui, non, le papier que vous aviez signé à la commune. Exactement, c'est comme le Pax en France. Voilà. À vous aussi, merci. Au revoir. Et? Il y a 3 ans, je leur ai proposé de faire une simple déclaration de cohabitation légale à la commune. Donc du coup, eh bien, elle peut rester dans la maison, elle en a l'usufruit. Et en plus, elle passe au fourneau du risotto express. Magnifique. Ouais. Donc je peux classer le dossier aux archives? Oui, enfin, moi, t'oublies pas de le clôturer dans le programme. Hein. Oui, dans le programme. Oui. Le programme. Je vais chercher les enfants. On se voit après pour le rendez-vous avec les lions. D'accord. Hein, d'accord. T'oublies pas le programme, Gigi? Non, j'oublie pas le programme. Donc ça, c'est pour ta copine? Oui. Elle va coucher dans l'eau avec des dauphins. On saura le faire. C'est sûr, c'est une idée à Saïd. Non, pas cher.com, 27 euros. Mmh. Bah, moi, si c'est un garçon, tu pourras l'appeler Flipper. Puis si tu veux, je peux filmer l'accouchement à l'aide de mon drone. Pardon, excusez-moi. Dumonceau et Jeannouel, notaire associé, bonjour. Oui, les gars, merci pour le café. Oui, madame Hennings. Oui.